Emma Loès. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, alors je vous invite à déjà même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification. Voilà quoi. Vous connaissez déjà le refrain. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps savent que elle-même, son nom que je lui ai donné, son petit nom de caresse, c'est Emma Loès. Eh ouais. Il faut dire que ah, les polémiques, ça la connaît. Eh ouais. Elle est encore au cœur d'une polémique. Bon, on avait zappé un peu à cause de notre Dracuchou, non? Vous connaissez notre Dracuchou? Sabine Dié, elle-même qui avait défrayé la chronique. Ah là, mais qu'est-ce que c'est? À cause de Emma Loresse, un temps là même, on avait oublié Miss Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on les a zappés. Tous les petits bérets, même du moment même là, on les avait zappés à cause de Emma Loresse. Affaire de porte, affaire de maison, affaire de. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo est arrivé avec de nouveaux berceaux. Nouveau pensez les papos, Messa Donia, Dodonia, Donia dans la vie des gens. Nouveau bé, Ayaka, nouveau béret, 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 béret. Nouveau béret, il dit, sautez où? Il y a quel souci, s'il vous plaît? Et où? Venez où? Parlez, il y a quel souci, ne me fais pas les 20. Avant de commencer, il y a mon code Tap Tap Send. Et où? Tap Tap Send envoie d'argent. Si tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu envoies l'argent. Et où? À nous les moindres de l'Afrique ici. Mais qu'est-ce que c'est? Tu nous envoies l'argent en utilisant le code promo Colombo225. Avec Colombo225, si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, tu as 10 dollars US ou bien canadiens, un cadeau. Et puis les frais sont de 0 dollars. Si tu es en Europe, en France, dans les Belgiques, les trucs comme ça là, tu as 5 euros cadeau sur ton compte là-bas. Sans oublier que tu as 2 euros de frais, quel que soit le montant que tu veux envoyer. Alors, avec Tap Tap Send, l'argent va, ça va directement dans Orange Money, MTN Mobile Money, Move Mobile Money de la personne à qui tu veux envoyer l'argent. C'est pas doux comme ça. Il n'y a pas à faire de, il n'y a pas à réseau. Il n'y a pas à faire de, on va aller faire un. Il n'y a pas à faire de revenir demain. Mais qu'est-ce que c'est? Utiliser Colombo 225. Tap Tap Send, tu as pu, tu as pu, tu as pu. Puis ça, c'est Send lui seul. Mais qu'est-ce que c'est? Continue. On nous a appris à l'école primaire qu'il y a un pis soso, un pis mandingue, etc., etc. Mais en pi même 17, là même là, on ne connaissait pas. Et on connaissait pas. En pi 17, c'est quoi? Il y a des gens qui ont me posé la question. En pi 17, non. C'est entreprise de Emma Loresse. Là-bas, là, on fait les faux ongles, faux cils, on vend les perruques. Il y a spa dans tout ça. Et en tout cas, en 2021, tout près là, il y a Emma Loresse, elle est venue se positionner pour dire que son entreprise en pi 17, là, ça génère 1 million de francs CFA minimum par jour. Ah. Donc, les gens, quand elle a dit ça, les gens crient. Elle dit, Matera! Ils ont crié, ya! En tout cas, ils ont crié car ils étaient fatigués là. Ils ont laissé tomber. Un temps aussi, Emma Loresse aussi est venue crier à son tour sur nous. En tout cas, c'est cri dans cri. Pour dire que quand c'est pour se concentrer dans sa vie privée, sa vie sentimentale, là, on est premier. Nous, les gens, c'est Emma Love, les internautes, les quoi, je sais plus. On est premier pour mettre nos narines comme ça, nos donia dans sa vie privée. Mais quand ça pour venir nettoyer à Ampi 17, là, elle ne voit pas nos pattes. Pour venir lui dire, ah, Emma Lorès, qu'elle a là même, il y a beaucoup d'herbes à terre, on vient t'aider, que ah, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tout ça là. En tout cas, elle ne voyait pas ça. Mon cher, tout ça là, c'est l'amour, non? Ah. Ah. Non, mais. D'accord. Donc, dans l'Empire 17 là-bas, Emma Loresse, un temps, elle est venue nous parler que ouais, son spa là. En tout cas, elle était avec un monsieur, elle était en train de lui expliquer que son spa là, vraiment, ça commence à devenir compliqué. Que quand il pleut, plus net là, la maison prend l'eau, il y a le truc, qu'elle même veut quitter. Que ses architectes même lui ont dit que même si elle met des milliards dedans, de toutes les manières, les milliards là, elle va tout perdre. Chaque année, elle va arriver qu'elle va pleuvoir. Et oh, en temps, il faut savoir que la maison, elle louait ça à 1 300 000 quelque chose là-bas de francs CFA par mois. Le tout même, elle gagne 1 million même par jour. Donc, c'est pas par mois, elle a pas payé 1 million. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, affaire de saison pluvieuse, que maison là, ça prend l'eau, on ne sait pas si c'est maison sous pilotis ou ouais, en tout cas, elle a décidé de partir. Mais avant de partir aussi, il faut savoir que la maison
de prime abord, ce n'était pas fait pour le commerce, c'était pour habiter. Voilà. Donc, en allant, elle a enlevé ses carreaux, elle a enlevé ses peintures rupestres, tout ça là. En tout cas, en un mot, la maison a été mise à nu. Mon cher, quand on faisait le deal, on n'était pas là-bas. Quand on te payait les 1 300 000 par mois, on n'était pas là-bas. Quand monsieur recevait ses millions, on n'était pas là-bas. C'était chic chic comme vous, l'amour fou. Maintenant, où c'est gâté, c'est pourri, c'est périmé. C'est là maintenant vous venez, nous les pauvres, nous déranger. Avec même vos affaires de milliardaires. Nous, on était habitués à des bérets des moindres. On n'est pas habitués à des bérets des milliardaires. On est là, on voit, y a un monsieur qui dit que Emma Lorès lui doit. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça, Emma Lorès te doit? C'est toi qui dois Emma Lorès ou bien c'est Emma Lorès qui te doit? Ah, parce que nous tous, on a vu une maison de Emma Lorès où il y a une seule chambre. Je ne sais même pas si c'est deux chambres collées ou bien un salon même. Où c'est chaussures seulement qui est là-bas, sac seulement qui est là-bas. Quand tu soulèves un sac là, c'est au moins 1 million. Quand tu soulèves là-bas Yves Saint Laurent, c'est au moins 2 millions. Et ça, tu as dit qu'elle te doit. Parce que normalement, Emma, quand on la regarde, on sait que ce n'est pas une moindre. C'est la question qu'on se posait. Comment ça, Emma te doit? Mais au fur et à mesure aussi, les dossiers sortaient. Emma aussi, on fait. Mayday. Emma Lourès, la queen Emma Lourès. Voilà quelqu'un même qui était de Philippon ici. Mayday. Mais tout ce qu'on entendait, c'était silence radio. Tiens ton choix. Aucune réponse. Quand les gens de EK ont vu ça. C'est attachement, tu veux voir. C'était comme ça. C'est nous, non, qui est gâté. Pourquoi toujours nous? Toujours nous. Sinon que on est beaucoup ici. J'ai dit, ta maison attachée qu'un slogan est sorti dedans. Un coup, maison louée. Voiture louée. Emma louée. Dieu soit loué. Ça fait rire. Il a dit, on peut faire ça. Il dit, Ivoirien, tu as un problème avec Ivoirien. Si Ivoirien veut t'attacher, mieux vaut tu désactives en même temps ton méta. Voilà, c'est clair. Donc on s'est dit, mais pourquoi même le monsieur là-même vient sur le méta pour venir demander l'argent? En tant qu'il connaît chez Emma. En tant qu'il a le numéro de Emma. En tant qu'Emma aussi maintenant, là, son affaire de livre là. Où elle s'en fait dédicace là. Chaque jour, elle s'élève, tu vas dire, une femme gourou en train d'aller vendre au marché chaque 6 heures. Donc le jour, elle donne ses rendez-vous là. Tu peux aller la trouver là-bas si elle n'a pas décroché, tout ça. C'est... Voilà. Il y a tellement de moyens même de la voix. Tu arrives là-bas, tu dis que Emma, aujourd'hui, je ne veux pas payer le livre. Je veux mes millions. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on ne comprenait rien. Déjà, le monsieur dit que depuis 1902, il essaie de joindre Emma, mais rien. Il appelle rien. SMS, rien. WhatsApp, rien. Il est là pour essayer de voir. Il est quoi? Non, en fait, c'est ça qui a énervé le monsieur. Puis il est venu parler sur la toile. Maintenant, du côté de Emma Lewis, c'est toujours chaud. On n'entend rien. Pas de communiqué, rien. Déjà, elle avait laissé tout dans la main de ses employés, ses avocats, son service juridique, son service communication. Je ne sais plus. Le monsieur, lui-même, il était sorti pour venir dire que non, que les modifications. Bah, Emma a fait des modifications dans la maison, que lui n'était pas au courant des modifications, tout et tout. Qu'elle a cassé les choses. Voilà. Et que même, il avait appris même les modifications, même sur le méta. C'est ainsi même que les audios sont sortis. Les audios du monsieur, tout ça. Montrant même qu'il était pour les modifications. Mais après, le monsieur veut rectifier pour dire que non. Qu'il était pour les modifications des carreaux et tout. Mais au rez-de-chaussée, il y avait une chambre là-bas où il y avait une douche. Ils ont cassé sa douche. On dit, aïe, tonton. Donc, elle t'a pas dit. Tu es sûr qu'elle t'a pas dit. Dis non, que la fille ne lui a pas dit. On entendait des audios où lui-même, il disait, non, là, tu peux faire tant. Ici, là aussi, tu fais tant. Ça sera bon. En tout cas. Ah. Donc, on était conscients. Aïe. Cette histoire-là, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a quelque chose même qu'on ne nous dit pas. Donc les gens commencent à dire que ah, le monsieur là, c'est un menteur, il est en train de nous coiffoter, qu'il est en train de nous perdre le temps. C'est ainsi même que tonton a pris son téléphone, tel un seul homme, pour venir faire maintenant les vidéos, les directs, pour venir filmer dans toute la maison. Et moi, j'ai vu mes œuvres là. Maison aussi des. Le trou-trou, est-ce que c'est la même maison? La même, il y a le trou-trou, le sol, tout ça là. Mais c'est quoi tout ça là? Si Emma Louis a fait ça là, c'est que vraiment c'est grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse faire ça si elle a fait ça? La question. En tout cas, le monsieur a montré la maison. Il a tout fait. Il a montré. En fait, la partie même qui énervait le monsieur, c'est il y avait des bouteilles même de ruinard, des bouteilles de champagne que Emma Lourès donne André à ses clients quand ils viennent. Ils ont bu, et puis ils ont laissé tout là. Le monsieur a dit, attends, bouteille là. C'est là, ça fait quoi? Parce que tu m'as jamais donné aussi. Tu t'en vas, tu laisses les bouteilles. On t'a dit qu'ici, là, on consigne une bouteille. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, le monsieur était fâché. Mais qu'est-ce que c'est? Quand moi-même, il a vu les champagnes, là, les bouteilles vides, là, il dit, aïe, attends, mais ici, là, c'était ancienne usine de frélaté. Waouh, c'était quoi? Ah, parce que tu
laisses les ruinards comme ça. Quand tu es parti, tu souhaites la verser, mais tu as laissé là pour montrer au tonton que je veux son cœur pour lui dire que à toi et moi, on n'est pas même chose. Toi, tu es des moindres. Moi, je suis du haut peuple. Toi, tu es du bas peuple. Et donc, moi, je me rafraîchis avec les champagnes. Toi, tu bois de l'eau de pompe. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, Emma Lorès, elle n'a pas dit moins. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est son service communication qui est venu faire une si longue lettre de Mariam Abba pour nous donner. Après même le direct, même de tonton. Voilà. En tout cas, je voulais lire, mais je vais laisser Tanti. Il y a les Aya Robert Valli pour nous. Ou bien, c'est pas mieux. Ah, Aya, à toi. Une dénonciation. Calomnie. Calomnie. Calomnieuse. Ok. Au préjudice. D'accord? Au préjudice de la concernant. Tu dis rien de bon, là. Donc, on poursuit la lettre. Donc, dans le communiqué des gens de Emma Lorès, ils disent que non, que ça a commencé vers le 8G, vers le 6G. Il y a un monsieur qui a fait une publication pour dire que non, que Emma Lorès lui doit 7 mois de loyer. Et eux, ils sont sortis. Donc, d'après eux, ils disent que le monsieur fait exprès de se taire, de ne plus parler pour que les gens puissent parler pour dire « Ah, c'est Emma Lorès, c'est Emma Lorès », pour que le truc puisse s'agrandir, pour que ça prenne la toile, pour pouvoir salir Emma Lorès. Tout ça pour pouvoir prendre 7 mois de loyer que normalement, ils ne devraient pas toucher. Ah, donc ils disent que c'est en juin 2020 que Emma Lorès a pris la maison. Ils ont pris 2 duplex collés, voilà. Où ils ont, en tout, ils ont payé 13 millions, c'est-à-dire 3 mois de caution, 7 mois d'avance, voilà. Donc, c'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler. Emma Lorès a dit, elle va faire les modifications, tout ça, tout et tout. Tout continuait bien chic. Chaque fin de mois, Emma Lorès payait son loyer et tout. Mais en juin 2022, le 21 juin 2022, il y a eu orage. Vous connaissez Abidjan, c'est pluie. Il y a une pluie qui a fait... Maison, il y a une partie qui s'est cassée de la première maison pour aller tomber sur la deuxième maison là-bas. Oh, il y a pleuré. En tout cas, il y a eu des dégâts. Donc, quand Emma Lorès a vu ça, elle a appelé des gens pour venir constater, pour faire le constat et tout et tout. Non, Emma Lorès a vu que tout l'argent qu'elle a mis dedans, là, ses machines, elle a payé, tout ça, même la sécurité même de ses employés, même là, c'était plus vraiment ça. Voilà. Et puis même le deuxième bâtiment, même était en train de faire un genre. Donc, elle a préféré résilier le contrat. Ah, donc c'était dans la déchet de juin, juin, le temps de faire toutes les démarches. Quand ils ont dit en août, net, là, août 2022, elle a appelé le bailleur pour lui dire que ah, le contrat est résilié, on va quitter ta maison. Quand elle partait, elle ne devait pas l'argent à quelqu'un. Donc elle a dit au monsieur, que fais, tu vas venir, tu vas me donner mes 3 mois de, comment on appelle ça, de caution. Il va te donner ta clé, je vais partir. Mais comme le monsieur aussi, il n'est pas à Abidjan, il est en Europe là-bas. Et puis aussi, il n'a pas délégué quelqu'un pour venir prendre la clé, tout ça. Donc, elle dit, bon, quand tu vas venir, il va te donner ta chose. En tout cas, sache que je ne suis plus là. Que le contrat est résilié. Il faut faire, tu vas venir prendre ta clé, tu vas me donner mes 3 mois de caution. Donc, 6 mois même après avoir même quitté les lieux et tout, le monsieur la contacte. Pour lui dire que, ah, madame Emma Lorès, il faut savoir que vos 3 mois de caution, je ne vous dois plus. Et puis même, il y a 7 mois de loyer que vous devez payer. Parce que, du genre, je n'ai pas encore pris la clé. Tant que la clé n'est pas dans ma main, c'est-à-dire vous continuez de payer la maison. Aïe, tonton. C'est ainsi même, Emma Lorès dit, aïe. Le tonton, il a fumé quoi matin là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ainsi qu'il était encore en Europe là-bas. Donc, Emma Lorès et son service juridique ont entendu qu'il était venu à Abidjan le 30 juin passé là. C'est là même qu'ils ont envoyé courrier pour dire, tonton, on t'attend ici à la police. Vous faites venir donner mes 3 mois. Donc, c'est ainsi même qu'ils lui ont donné quelques jours pour s'acquitter de tout et tout et tout. Ah, qui n'a qu'à venir s'acquitter des dommages et intérêts de sa caution. C'est ainsi même que tonton s'est dit que, ah, donc celle-là, elle ne veut pas payer mon argent. Celle-là, elle ne veut pas. Donc, caution, elle paye l'argent, elle paye dommages et intérêts, tout ça. Là. Que non, c'est pas elle, moi, elle va faire ça là. C'est ainsi même qu'il a commencé à mettre sur les réseaux sociaux. Donc, voilà l'histoire, la deuxième partie. Voilà. Tonton, lui, de son côté, lui, il dit que non. Elle lui doit les 7 mois. On n'avait pas compris pourquoi elle devait 7 mois. Elle est venue expliquer pourquoi il dit que 7 mois. En tant qu'elle explique aussi, on voit que, ah, tonton, tu n'as pas raison. Donc, on est là. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, elle a gâté la maison. Vous ne savez pas sur quoi ils se sont entendus, qu'ils ont fait. Mais je dis cela, il y a un truc sur lequel ils ne se sont pas compris. Ils voient aussi, on a fini un gros cœur. Et Malorès peut-être a dit, viens prendre ta clé, tonton ne veut pas venir prendre. Donc, elle a dit, bon. Moi, en tout cas, j'ai quitté ta maison. Viens, tu vas prendre ta clé, tu vas donner ma caution. Le tonton dit, non, moi, je suis en France.
Donc il est en train de zouker en France là-bas. Elle dit ok, de toute manière, il n'est pas payé. Il n'est payé plus, il t'a dit qu'il est quitté. Viens, tu apportes ta clé, tu as de mes cautions. Maintenant, l'histoire de la manière même, maison là même, c'est resté comme ça, c'est mise à nu. Il ne sait plus là. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension quelque part qu'on ne nous dit pas. Soit le monsieur voulait aller se faire masser aussi dans le spa. Ils ont enlevé les carreaux du spa, ils ont délocalisé le spa. Ça lui fait mal qu'il n'a pas pu profiter aussi du spa. Soit il cherchait autre chose. Ah, maintenant, affaire aussi des vins et les liqueurs qui lui font mal là. Les ruinards qui lui font mal. Peut-être c'est lui aussi qui a envoyé les boissons là. Vous vous dites que, ah, Emma Lourdes, en tout cas, moi, le jour est venu me faire masser là. On va venir, on va trinquer ensemble. Et puis elle a tout bu derrière lui. Donc l'histoire lui fait mal. Qu'est-ce que c'était? Hey, mon cher, on attend la suite. En tout cas, on ne sait pas. Il y a les gens qui disent que non, que de la manière, ce que le monsieur a fait là, forcément ils vont l'arrêter. Qu'il est venu, il s'est mis dans le pain, les trucs comme ça. Il y a la pression. Donc, on attend la suite. Oh. Nous, les Colombos, on est là. S'il y a la suite, à pardonner, tarifs-moi quelque part. Mais depuis là, les hommes, ils ne voulaient pas parler de ça. C'est vous qui avez fait. Vous êtes venu dire, Manuel, a fait de mal ça, tu ne parles pas. A fait de mal ça, tu ne parles pas. Mon cher, il a parlé, il a dit quoi? Et que nous, on est devins pour venir savoir que, ah, si eux-mêmes, ils sont venus bien nous dire, nous, on peut mettre notre tribesque là-dedans. Mais ce qu'on peut dire, c'est pour venir expliquer les deux cas. Et puis essayer de comprendre pour voir qui peut avoir raison. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, mon cher, on attend la suite. Oh. On attend la suite parce que, à cause de cette histoire de Sabine Dié, notre dame même de la construction et de l'automobile, il voulait dire quelque chose, mais mieux vaut, je ferme ma trébesculade de potassium. Mais la Donia ne doit pas trop parler. C'est de ça qu'il s'agit. Et oh, à cause de notre dame même de la construction et de l'automobile, on a oublié même que Emma Lourdes devait rapporter la porte du monsieur. À vrai dire, même, pardonnez-le dans les commentaires. Les potes sont avec le monsieur, ou bien c'est avec Emma, ou bien c'est le monsieur qui ne veut pas partir prendre les potes, ou bien c'est Emma qui ne veut pas donner les potes. Écrivez en commentaire, parce que là, il ne sait plus. Mais pour le moment que vous allez prendre votre temps pour écrire même qui doit envoyer les potes, ou bien qui doit aller récupérer les potes, mieux vaut nous retournons même au dossier même de notre Akushu, hein, la mariée la plus fidèle même du méta. Il ne sait plus. Mon cher, mieux vaut écrire ici avant qu'on tape sur ma Donia. C'est pas mieux. Et affaire des riches même là. Il veut même à boucher. Donc, et qu'elle mangeait matin même. Mieux vaut, je vais prendre mon riz, je mets sauce dessus, je bois de l'eau, puis je dors. C'est mieux, il a mangé mon riz, il a mis sauce dessus, il a mangé, boire de l'eau, il a dormi. Parce que cette histoire-là. Ah, j'ai fini de parler, je pars maintenant. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, là-dessous, là-bas. Si tu n'es pas content, là-bas. Si tu es trop fâché, là-bas. Thank you, volume much, thanks. À plus.